Il fut un temps où tout le monde critiquait l'Église catholique et il jette l'eau bénite sur les gens et il prie les statuettes. Mais aujourd'hui, c'est la même chose que vous faites dans vos églises. Vous jetez l'eau sur les gens. Triste réalité. Un pasteur avait refusé l'offrande d'une femme, mais il est venu demander pardon. Et un autre pasteur a corrigé le pasteur. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Sur ce, je vous dis générique. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous ne pouvons pas continuer à ignorer tout ce qui se passe à l'église. Parce que nous sommes là pour vous dire la vérité et pour vous annoncer les choses. Alors, le pasteur qui avait refusé l'offrande de la dame, que vous avez vu la vidéo quand j'avais fait ça, le même pasteur est revenu demander pardon. Mais son pardon est un peu bizarre. Nous allons écouter la vidéo et nous revenons. Écoutez le pardon du pasteur. Écoutez. Ils m'ont appelé. Il y a des évangélistes, il y a des gens de partout ailleurs qui m'ont appelé. Pasteur, des propos pareils. Parce que l'église corps du Christ est lésée. Au nom de ces là que je sers, je m'incline et je demande toute la communauté chrétienne pardon. Qu'est-ce que le pasteur vient de dire? Le pasteur a dit, tout le monde l'a appelé, les gens l'ont appelé et voilà pourquoi il est venu demander pardon. Les gens lui ont dit que ce qu'il avait dit c'était mauvais. Moi j'ai une critique à apporter à ce pasteur. Est-ce qu'on a vraiment besoin de t'appeler pour que tu puisses venir t'excuser? Est-ce que tes frères, pasteurs, prophètes sont obligés de t'appeler pour que tu viennes demander pardon? C'est triste qu'on ait ce genre de pasteurs qui ne peuvent même pas se remettre en cause eux-mêmes, mais qui ont besoin qu'on puisse les appeler pour s'excuser. Un vrai homme de Dieu, lorsqu'il fait le mal, il s'excuse. Il n'a pas besoin qu'on l'appelle. Il n'a pas besoin que quelqu'un vienne soulever la situation. Mais voilà les pasteurs qu'on a aujourd'hui. On doit les appeler pour qu'ils puissent venir s'excuser. Mais quand même tu t'es excusé, mais nous pensons que tu as déjà humilié une femme. Tu l'as déjà humiliée, même si tu t'excuses, on peut te pardonner. Mais les images sont parties, cette femme a été blessée. Pourquoi tu as refusé son argent? C'est triste ce genre de pasteur. Mais comme tu as demandé pardon, on l'accepte. Mais je pense que c'est une question d'éducation. Parce que si tu blesses quelqu'un, tu dois avoir l'aimabilité de demander pardon. Mais toi, on doit t'appeler pour que tu demandes pardon. Cela veut dire que tu n'as pas été éduqué. Voilà pourquoi ne laissez pas tout le monde devenir pasteur. C'est ça le problème aujourd'hui au Congo. C'est ça le problème en Afrique. Tout le monde devient pasteur. Même des gens qui n'ont pas reçu une bonne éducation, ils vont chercher à devenir pasteur. Et c'est ça qui nous détruit. C'est ça qui nous met à terre. Deuxième vidéo, c'est celui d'un pasteur qui vient corriger le premier pasteur qui avait refusé l'offrande de la dame. J'ai trouvé le propos de ce pasteur très cohérent et je voudrais que vous puissiez entendre ce qu'il va dire. Et je crois que vraiment, il a dit la vérité. Écoutez ce qu'il va dire. Pourquoi dans les églises, on ne laisse pas tout le monde devenir pasteur? Faut qu'on apprenne aux gens, qu'on éduque les gens. Les gens ont besoin de l'éducation, ils ont besoin de l'éthique. Ils ont besoin d'abord de connaître même bien cet évangile-là. Vous avez suivi, vous tous, dans les réseaux sociaux, ce qui s'est passé. Un homme de Dieu qui dit à une maman qui a amené 2000 francs. Donc, la Bible, quoi, ça, c'est l'offrande qu'il faut donner aux pauvres. Il faut donner aux pasteurs pauvres. C'est quel type de bassesse, ça? C'est quel type de bassesse? Ça s'est cassé à quel niveau? Un tel homme ne peut même pas être appelé un homme de Dieu. Parce qu'il n'est même pas encore devenu un citoyen. Il faut d'abord qu'il soit un citoyen. Il n'est pas encore un citoyen. Tu méprises les francs congolais à l'église? C'est comme ça que tu parles du franc congolais? Mais c'est tout ce que nous avons. C'est l'expression de notre souveraineté. Ces francs congolais-là. C'est tout ce que nous sommes. Les dollars, ce n'est pas notre argent. Et tu appelles les dollars des Kassankem. Quel banditisme. Comment un homme de Dieu peut appeler de... Est-ce que tu comprends ce que tu dis? C'est-à-dire, je peux parler de ça jusque demain. J'aurai toujours des choses à dire si je dois parler de ça. Tu peux en parler jusque demain. Tu appelles ça à cause de la valeur fiduciaire, hein, la valeur de la monnaie. C'est pourquoi tu appelles ça du Kassankembo. Tu prends Kembo, la gloire.
Tu mets ça dans le cas, ça. Tu es en train de glorifier l'hégémonie américaine sur nous. Déjà, on ne devait pas manger cet argent ici. Dans quel pays ici en Afrique on mange le dollar? Tu vas au Bénin, tu vas au Cameroun, tu vas partout là-bas. Tu ne peux pas sortir un billet de 10 dollars pour acheter quelque chose. Regarde jusqu'à quel point on est malade. C'est-à-dire, vous savez, les pasteurs, les chrétiens, ce n'est que l'échantillon des Congolais. En bref, tous les Congolais, nous sommes malades. Le Congolais, quand il est devant la monnaie étrangère, il appelle ça des cas sans kemp. C'est comme ça que tu rencontres un Congolais en route, il dit, ah, t'es petit cas. Tu ne comprends rien. Ce n'est pas la peau qui fait de quelqu'un quelqu'un. C'est la décision d'être quelqu'un qui fait de quelqu'un quelqu'un. Et puis je suis encore un autre document, je le vois, il sort pour demander pardon. Mais quel orgueil même. Quel orgueil. Ça, ce n'est pas le pardon. On ne demande pas pardon comme ça. On ne demande pas pardon comme ça. Non, on m'a appelé un peu de partout, les hommes de Dieu de partout m'ont appelé, partout dans le monde. Alors comme ça, léser l'église, corps du Christ, je demande pardon. Je m'incline, je demande pardon. Donc toi, tu demandes pardon parce que ça léser le corps du Christ. Donc tu n'as même pas compris jusque maintenant que tu es dans la bêtise. Si Paul était là, si Pierre, on réveillait Pierre aujourd'hui, qu'est-ce que Pierre va dire? Si l'apôtre Paul, on l'est réveillé, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, homme insensé. Cette femme pauvre a amené deux pièces devant Jésus. Jésus s'est trouvé devant le tronc. Jésus a dit, cette femme a donné plus que tous ceux qui ont donné des choses de valeur. Ceux qui ont donné l'or, ceux qui ont donné l'argent, ceux qui ont donné des véhicules. Imaginez aujourd'hui, actualisons, les gens qui ont donné des véhicules, ils ont donné beaucoup d'argent. Jésus a dit, cette pauvre femme, cette veuve a donné plus que tout le monde. D'abord, qui tu es pour refuser l'offrande de quelqu'un? Mais qui? L'offrande, c'est à toi qu'on donne ou c'est à Dieu? Quand on aura offrande, la franc congolais, il a guillotiné. Vous avez écouté ce que ce pasteur a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Nous ne devons pas laisser tout le monde devenir pasteur. Nous ne devons pas laisser tout le monde devenir prophète. Nous ne devons pas laisser tout le monde devenir évangéliste. C'est ce qui se passe en Afrique aujourd'hui. De l'ouest à l'est, central jusqu'au sud, tout le monde veut devenir pasteur et prophète. Alors qu'il y a beaucoup de choses à faire dans cette vie. Tout le monde devient pasteur. Qui sera fidèle? Tout le monde devient prophète. Qui va écouter les prophéties? Les jeunes d'aujourd'hui ne veulent plus étudier. Ils ne veulent plus lire. Ils ne veulent plus aller chercher des diplômes. Tout ce qu'ils veulent, c'est gérer des églises. Mais ce n'est pas parce que tu es éloquent que tu dois être pasteur. Ce n'est pas parce que tu parles bien que tu dois être pasteur. Ce n'est pas parce que tu maîtrises la Bible et que tu dois être prophète. Dieu a dit quelque chose dans la Bible. Il a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est la vérité à l'intérieur de vous qui va vous pousser à louer Dieu et à le chercher. C'est triste, mais c'est une réalité. Que Dieu nous aide à pouvoir comprendre sa parole. Troisième vidéo, vous avez déjà entendu ceci. Tu es bloqué par tes parents, il faut bâtir l'autel. Tu es bloqué, il faut bâtir l'autel. Je vous ai apporté un pasteur très véridique et tous ces pasteurs sont au Congo. Ce pasteur va vous dire une vérité. Un chrétien n'a pas besoin de bâtir l'autel. Parce que le plus grand autel qui a été battu, ça a été à la croix de Golgotha. Alors vous devez sortir de ces genres de pensées que les pasteurs vous amènent. Il faut bâtir l'autel avec l'argent. Depuis le jour où vous avez fait entrer l'argent à l'église, l'onction de Dieu vous a quitté. La puissance de Dieu n'est plus au milieu de vous. Vous faites payer les gens les délivrances, vous faites payer les gens les consultations prophétiques, vous faites tout payer. Aujourd'hui, il n'y a rien qui est gratuit à l'église. Et c'est triste. Suivons ce pasteur et nous revenons juste après. Suivons-le. Vous dites à tout le monde que le lien de famille ne peut pas finir si vous ne construisez pas un hôtel contraire à l'hôtel qui avait été construit. Et l'hôtel, c'est l'argent. Vous avez tout ramené autour de l'argent que ça commence à écœurer les peuples de Dieu. Ils ne savent plus aller à l'église correctement et sortir en paix parce qu'ils entrent dans l'église. Ils y sortent culpabilisés. Ils n'ont pas assez d'argent pour briser le lien de leurs ancêtres. La porte d'ouverture a été donnée une fois pour toutes. Jésus est mort, ressuscité, enseveli pour mettre fin à ces choses-là. Vous avez écouté ce pasteur, comment est-ce qu'il a parlé? Il a dit la vérité à ses frères pasteurs. J'avais jamais cru qu'au Congo, on allait avoir de vrais pasteurs comme ça. Pendant que certains refusent les offrandes, d'autres prêchent à ses frères pasteurs. Voici les pasteurs que vous devez chercher. Un homme de Dieu qui vous dit que c'est à la croix de Golgotha que Jésus a bâti le plus grand autel. C'est le nom de Jésus qui vous délivre. Il n'y a pas un autre nom sur la terre. Il n'y a pas un autre nom.
Le nom de Tantan Pong, il ne va pas te délivrer. Le nom de ton cousin va faire. C'est le nom de Jésus qui guérit, qui délivre, qui transforme. Il n'y a pas un autre nom. Alors on ne peut pas te montrer l'huile d'onction pour que tu sois guéri. On ne peut pas t'apporter les savons prophétiques. Il n'y a que le nom de Jésus. En cette nouvelle alliance, Dieu nous a laissé son nom. Il ne nous a pas laissé autre chose. Alors tout pasteur qui te présente l'huile d'onction, qui te présente le savon, c'est un sataniste, c'est un mauvais. Il veut juste te détourner de la voie de Dieu. C'est un limace. Répentez-vous et comprenez cela. Vous les chrétiens des églises qui n'arrivez pas à comprendre, répentez-vous et comprenez cela. Dernière vidéo nous amène à voir comment est-ce qu'on est en train de vous arroser avec de l'eau. Regardez comment on vous arrose avec de l'eau à l'église. Regardez. C'est triste, hein? C'est triste parce que vous étiez en train d'insulter l'église catholique. Que l'église catholique fait ceci. Regardez. Verse l'eau bénite sur les fidèles. C'est satanique. L'eau bénite. Mais aujourd'hui, c'est ce que vous faites dans vos églises. Regardez comment on vous arrose avec de l'eau. Quelle est la différence entre l'église catholique et l'église évangélique? Il n'y a plus de différence. Et il s'agenouille devant la statuette de Marie. Vous vous agenouillez devant le papa pasteur. Et ils utilisent l'encens. Vous utilisez les parfums prophétiques. Et ils utilisent l'eau bénite. Vous versez l'eau sur le peuple de Dieu. Mais quand je regarde toute cette foule-là, qui vient faire ces besagnes-là, je me dis, est-ce que vous ne savez pas que vous avez le nom de Jésus? La seule chose qui maintient ce peuple dans l'ivrognerie et dans cet oubli, c'est parce que ce peuple oublie que Jésus vous a déjà délivré. Vous n'avez pas besoin de faire tous ces gymnastiques. Un chrétien qui a accepté Christ, qui marche dans sa volonté, ne fera pas tous ces gymnastiques que vous faites dans les églises là. Bâtir l'autel, aller à l'église 5 fois par semaine, prier 1000 fois par semaine, hein, prier pendant 6 heures, 7 heures, ce n'est pas ça. Dieu n'est pas dans la quantité de nos prières. Dieu est dans la qualité de nos paroles. Alors soyez bénis. Dites-moi ce que vous pensez de toutes ces vidéos. Et faites-moi signe pour que je puisse savoir ce que vous pensez. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Écoutez ceci. Dieu gagne toujours. Que Dieu vous protège. Que sa grâce soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bye bye. Et bonne journée.